J'ai toujours peur que le banquier m'appelle. Bah, on peut pas vivre avec 1200 balles et deux gosses. Je me suis retrouvée seule avec mes deux enfants, avec un enfant handicapé. J'étais obligée de travailler à mi-temps. Dossier de surendettement, resto du cœur. D'avoir connu les tréfonds de la société, je crois que s'il reste un seul gilet jaune qui doit tenir un rond-point, ce sera moi. C'est ça qui est beau dans les gilets jaunes, c'est qu'on s'est aperçu qu'on n'était plus seul, quoi. Le mouvement est mal vu médiatiquement parce qu'on est, excusez-moi, des casseuses sur un rond-point. Vous ici, tous, vous pouvez être fiers de ce que vous êtes. On demande quoi? On demande la justice. Vous avez tout notre soutien, hein, parce que nous, bah, les retraités, c'est pas bah, non plus. Hein. La misère, je la comprends. Le système, il est devenu complètement sous. Par contre, il faut proposer des choses plausibles. Aujourd'hui, si on reste cantonné chacun dans nos bleds, ça ne sert à rien. On est pacifique. Ça part en cacahuète. Personne vous en haine. On en haine ceux qui vous commandent au-dessus. Là, on est en train de se diviser. On se fait lâcher sur les réseaux. On m'a rien offert. J'ai rien volé. J'ai jamais été malhonnête. J'arrive à 50 ans et j'ai fait quoi dans ma vie à part me battre? Rien.